Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Donkey Kong Country 2 et on se retrouve sur le monde 6, le castel de Kalrool, le château. Et on commence par un niveau qui me semble être aquatique. Potentiellement, effectivement. Est-ce que je pourrais... Il faudrait que j'ai Dixie. Peut-être qu'avec Dixie, je peux planer pour atteindre la plateforme en face. Alors je sais pas si ça... Ça va, j'avais passé ça, si c'est bon. Ok, des poissons globes, on fait gaffe à ce qu'ils n'explosent pas, puisqu'on se rappelle que les poissons globes, ils explosent et ils envoient leur pic, et on a un espadon. Donc après le serpent, l'araignée, le rhinocéros aussi qu'on a invoqué, le perroquet aussi qu'on a contrôlé, contre un boss même. D'accord, ça marche. Satané. Étoile de mer. Ouf. Attention. Ok. Est-ce que je peux... Ouais, ça marche. C'est bon. Je peux me propulser pour sortir de là. Oh, mais non. Ok. Oh, déjà la moitié du niveau. Ok, ça c'était de la chance. C'est court si c'est déjà la moitié du niveau. Bon après j'imagine... Ah! Ça remonte pas par hasard. Oula, attention. Mais sérieux, le poisson qui vient dans ton dos te croquer le cul. On va coller. Mince. Ah, je suis pas obligé d'être vraiment en phase 2 pour pouvoir les toucher. Ah non, non, j'étais presque. S'il explose. Ah, ça rapporte juste la pièce. Bon, ça évite des ennemis. Hein, mais... C'est jamais un luxe inutile. J'essaie de bourrer en fait. Speed. Non, ça passe pas. Ça passe pas de bourrer la charge. C'est compliqué. C'est compliqué puisque la maniabilité est pas... Bah on n'est pas aussi... aussi maniable hein, quand on est dans l'eau. En tout cas, moi j'ai du mal. Alors, attends, parce que la première elle est là. Si je pouvais éviter en fait... de me faire toucher par ces foutues étoiles de mer. Oh mais vas-y quoi. Mais vas-y, je suis en train de charger. Barrez-vous. Se mettre là-haut. T'es bugué? Et t'es bugué. Je suis à passer. Pas se mentir, j'ai bourré. Hop, on esquive tranquille.
Non! Non, non, j'avais monté, j'étais monté. J'en oublie ma conjugaison. Ah, les niveaux aquatiques, c'est compliqué toujours. Il faut que je chope le truc de la charge. Ça, c'est toujours, ma foi, sympathique. Sauf quand on se prend une épine derrière, mais ça va. Oui, il dégage. Voilà, ça, ça passe. Oh non, mais je l'avais foncé dedans. Ok. Oh, la vie, la vie, la vie. Non. Ah, j'aurais bien voulu choper la vie. Ok. Choper une vie, ça c'est pas mal. Une pièce, c'est cool, mais le truc c'est qu'avec le nombre de vies qui me reste, je suis pas sûr d'en faire grand chose, malheureusement. Mais au moins vous ne verrez plus ce niveau. Donc on a le musée du singe, on a gouffre glacial. J'sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un niveau là-bas. Mais... peut-être que si on passe par le dessus du premier niveau, ça nous amène là. Je ne sais pas. Bon, on va essayer de faire quelque chose dans ce niveau. Ah, oh. Pas prévu ça. C'était pas prévu du tout même. Ah oui, merde, j'ai oublié. Ok, j'ai récupéré. Oula! Il est bizarre. Hein, on va pas se mentir, ce niveau est très très étrange. Non, c'est bon, j'ai deux pièces. Là, ce que j'aimerais surtout, c'est un point de sauvegarde. Ou un tonneau. Je fais ça, ça. D'accord, ça fait pas. Je pensais que ça le tuait automatiquement. Je pensais avoir un bonus même avec ça, mais non. Ça ne marche pas comme ça. Pourquoi pas. Ceci était du pif le plus total. Bon. Hop. Toi, on n'en parle plus. Toi, j'ai pas besoin de te tuer. Étrange ce niveau, mais c'est encore une fois un nouveau gameplay. Et on va pas se plaindre de ça. Là, par contre, j'ai pas compris pourquoi je suis pas redescendu comme la dernière fois. Oula, je vais rentrer dans la guêpe. Donc là, on évite de faire l'idiot. Voilà. Et on fait ça. J'ai pas vu. J'avais pas vu ça sous cet angle.
quelle mort complètement idiote. Et bien sur ce, ça va marquer l'ellipse, la première ellipse de cet épisode, et puis je vous retrouve quand je suis au deuxième niveau. Je sais pas si je vais être au deuxième niveau là ou à l'autre, si j'arrive à passer au-dessus. J'imagine que si on passe par l'eau ou par la terre, il y aura un niveau différent. En tout cas, c'est mon explication de ce niveau qu'on ne peut pas atteindre pour le moment. En tout cas, je vous dis à tout de suite pour la suite. Ok, on est de retour sur le deuxième niveau, ça m'a pas pris trop de temps pour revenir. Et pas du tout, hein. Le fait de passer par au-dessus, j'ai réussi à le faire. J'ai trouvé le bouton pour switcher de singe. Et je suis passé par au-dessus, donc c'est pas mal de bonus, pas mal de bananes. Une pièce aussi, donc ça fait déjà une pièce pour nous. Et, mais sinon, ça ramenait au même endroit juste avant de prendre l'espadon. Donc ça ne changeait pas grand-chose à ce niveau. Là, j'ai eu de la chance, mais comme pas possible. Et donc on est plutôt bien, on a pas mal de vie. Donc je pense qu'on peut faire des choses intéressantes. Si je joue pas trop mal. Ça après c'est une autre interrogation. Là par contre c'était n'importe quoi. C'est pas grave, on va essayer d'aller un point de sauvegarde ou quelque chose au moins. Hop là, on accélère. Hop, vas-y. Je vais faire toucher, j'arrive pas. Ok, c'est bon. J'arrivais pas à trouver le bon rythme. Donc là, là le problème c'est ça. C'est toi, il faut que je saute hyper vite. Ouais. Là je... là je suis un peu circonspect sur ce qu'on me demande de faire. Je dois bien avouer que je vois pas trop comment passer. Bah avec deux singes, si, hein, je vois comment passer. Tu te fais toucher, mais normalement tous les passages sont faisables. Là ça passe, voilà. Hop, on va sur le côté. Là pareil. On se met par ici. Et on speed. Alors jusque là tout va bien. Tout va bien, il n'y a pas de souci. Là c'est un peu la pression, mais ça passe quand même. Et là ça commence à compliquer. Ça passe, ça se fait. Il doit y avoir un autre moyen de le faire, mais ah bah voilà, pas de sauvegarde, parfait. Ah bah non, c'est pas ce que je voulais faire. Oula. Ah, qu'est-ce que tu me demandes de faire le jeu là? T'as fumé. T'as vraiment cru que je vais réussir à faire ça? Ah, il a de l'espoir, hein. Apparemment, il croit que je sais jouer, c'est pas le cas. Ok, c'est passé ça. Oui, je sais pas comment j'ai fait.
Ce qui est jamais très bon signe, hein. On va pas se mentir. Non. J'ai tenté de bourrer. J'ai tenté de bourrer comme un gros sale et c'est pas passé. Curieusement, c'est pas passé. Allez, merde. Bah alors là, je vous avoue que c'est quand même le mystère le plus total, hein, de comment j'ai réussi à faire ça. Alors, je veux pas forcément le N, hein, mais... C'est juste que ça me permet de faire une pause et de voir quand est-ce que je suis au plus bas. Non, il fallait que je sois un poil plus près. Bon, au moins, on récupère une vie à chaque fois, donc... Finalement, c'est... On fait du surplace. Tant que je me fais pas tuer avant d'y arriver... On est en surplace. Là déjà, c'est un peu plus simple de faire comme ça. Ça, c'est pas mal. Voilà, je vais me faire toucher. Oui, oui. C'était évident. Voilà, ça on n'en parle plus. Alors, le truc là, c'est qu'il faut se mettre le plus proche possible. Et quand je suis en bas... Non, c'est bon. Non. Je dis n'importe quoi. Bon. Alors, c'est bien beau hein, d'avoir des... Des tentatives infinies, mais... Il va quand même falloir un moment réussir à passer. Ça s'est passé. Ça, ok. Ok. On a les deux singes. C'est... Ah, je suis pas trop bien. Je suis pas trop mal, je veux dire. Ah bah non. J'ai rien dit. Foiré! Je pensais pas qu'il me touchait. Mais j'ai encore regagné une vie grâce aux bananes. Donc... Là, c'est même positif en termes de vie. Non, ça, c'était débile. Ah non, voilà. Ça y est. Je commence à perdre des vies avant d'arriver au ballon. C'est pas bon signe. C'est clairement pas bon signe. Surtout que là, c'est pas compliqué, voilà. Ah bah non. J'allais dire, bah voilà, c'est juste ça qu'il faut faire. Bon. Normalement, la vie, elle est gratuite. Voilà. Je peux difficilement être plus près de l'abeille. Ah, de la guêpe. Ok, c'est passé. Ah, j'ai paniqué. J'ai paniqué. Je vois le crochet, alors je veux m'accrocher direct, en fait. Et bah, c'est pas du tout ça qu'il faut que je fasse. C'est pas du tout ça. Faut juste que je saute dessus. Non, c'est bon, là je me fais toucher. Laisse tomber. Ouais, non. J'ai démarré trop tard. Ah, c'est vraiment... C'est vraiment la seconde près hein, qu'il faut partir. Bon, ça, si tu le fais d'une traite, ça passe tout seul. Donc ça, c'est pas le souci. Ouais, j'ai un peu stressé. Hein. Je me suis vu un petit peu proche de la guêpe. Proche.
Donc ici. Mais non, mais je... J'allais dire, tu stresses pas, t'attends qu'il plante ses épées, tu lui sautes dessus, c'est... C'est bidon, hein. C'est complètement bidon. C'est... Ça demande rien du tout, hein. Un truc que je fais tout le temps, hein, sur à peu près tous les ennemis du jeu. Oh non, mais non, pas comme ça. Bon, on va récupérer notre vie, c'est pas grave. On va essayer de faire quelque chose comme ça, mais... Heureusement que cette vie, elle apparaît à l'infini, hein. Je pense que les développeurs se sont dit « Ouais, la difficulté, là, est un peu chaude. On va peut-être être sympa, on va leur mettre un petit truc. » Mais non, elle s'est accrochée. Je voulais pas qu'elle s'accroche, je voulais qu'elle plane au-dessus. Ah, merde. En plus, je suis sûr que pour la fin du niveau, il y a Pierre qui m'attend. Bon, à force, de toute façon, ce passage, je vais le maîtriser. Hein. C'est... Au bout d'un moment, quand tu refais 15 000 fois la même chose, tu maîtrises. Voilà, c'est bon. On va pouvoir voir la suite. Oula. Monte, oui. Oula, alors la pièce Donkey Kong, là, on peut aller voir ailleurs. Hein. Je sais pas comment je viens de passer, là. Non, non, pas comme ça. Vas-y, grimpe, 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 grimpe. C'est pas la fin. C'est pas la fin. Pas du tout. Ok, on est reparti pour le même délire. Allez, allez. J'y crois. Putain, c'est pas fini. T'es sérieux? Oh là là, oh là là. Non, je suis pas bon, je suis pas bon. Je le voyais que j'étais pas bon. Ils sont pas sur le même rythme. La dernière ligne n'est pas sur le même rythme que les deux autres. Bon, on a gagné une vie dans le passage, donc c'est pas grave. Bon, on a vu la suite. Maintenant, il va falloir réussir à y aller. Ça, c'est une autre affaire. Ah non. Faire toucher là, c'est débile. Non, trop tard. Trop tard. Trop tard, trop loin. C'était sûr que ça passait pas. Au moins, maintenant je le vois quand ça passe ou que ça passe pas. C'est déjà une avancée. Je trouve. On va y arriver, on va y arriver, vous inquiétez pas. Là par contre ça c'était naze. Hop, on prend le ballon. Trop tard. Non c'est bon, ça passe. Alors il reste lui. Voilà, tac 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 tac. Je prends les bananes parce que à force d'en faire en fait... bien ça s'accumule. À force de faire des tentatives, on les accumule et on gagne des vies, donc on va dire que c'est pas de refus. Ok, il faut que je sois bien là, sinon le vent ne souffle pas. Ok, allez, grimpe, 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 grimpe. Attention, là on s'arrête là et on est reparti. Hop, speed. Ok, on n'est pas trop mal, on est avec deux singes. Ça, ce truc-là, on connaît. Voilà. Alors, je saurais pas vous expliquer le timing exact, en fait. Je fais ça vraiment...
J'ai envie de dire à l'instinct, mais c'est pas vraiment de l'instinct, c'est... Oula, ça j'avais pas prévu que je m'envolerais à ce moment-là. Vite, 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 remonte. 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 Je vais me faire toucher, oui, bah ça c'était sûr. T'es sérieux, on peut avoir le perroquet ici? Et j'ai eu le jeu. Avec un perroquet, à mon avis, c'est beaucoup plus simple comme niveau. Bon, on l'a pas vu, c'est pas grave, j'espère juste qu'il y a une sauvegarde. Oui, parfait. Donc, Collège Kong, parfait, puisqu'on a trois pièces, mais surtout, c'est que la première sauvegarde est gratuite. Donc, quoi qu'il arrive, on l'avait. Ça, c'est pas le souci. Bon, tant pis, hein, pour les trois pièces, elles vont partir quand on va mourir sur le bastion broyeur, mais au moins, la sauvegarde est là et on va pouvoir continuer. Oula, c'est un ascenseur. Ok, pourquoi pas, on a jamais eu vraiment ça. Je crois pas que dans le premier on avait ça. Ah, bonjour. Ouf, compliqué ça. Ah, il fallait prendre le rhinocéros là-bas. Ok. Donc il faut que je me mette sur la gauche. Que je me mette. C'est un bien grand mot. La musique est sympathique. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Je vais récupérer. Je pensais pas qu'il tirait à travers le mur. Voilà. On triche un petit peu le jeu là. Très légèrement. Oh mais non. Mais... C'est bête ça, de perdre une vie là-dessus. Il n'y avait pas de difficulté. Là, je vois pas comment je suis censé faire en fait. Mais c'est pas grave. Mais merde! Qu'est-ce que je suis censé faire là? Peut-être qu'il faut que je reste du côté gauche. Peut-être. C'est assez confus quand même. Comment fonctionne le truc? Ouais, là, j'imagine que je meurs. Ok. C'était un test. C'était pour voir. Donc c'est vraiment... il faut vraiment être sur les espaces libérés. Il y a vraiment cette dimension de jeter grâce. Jeter grâce si t'es en dessous de l'endroit qui... Voilà, déjà ça c'est pas mal. Lui, on n'en parle plus. Au pire, tant pis pour le rhinocéros, on va la jouer comme ça. On sera peut-être mieux. Ouais, lui par contre. Non, sérieux? Ouais, on va peut-être quand même reprendre le rhinocéros parce que... Parce que là, le double hérisson, comment dire, qui fait mal. Mais non, il fallait balancer sur le hérisson. Non, c'est pas grave. Grave. Là, tu vas mourir. Très bien. Passer comme ça.
toi. Ok, donc on vient juste de dépasser la lettre K, donc on en a encore pour un petit moment. Sur ce niveau. Oui, alors les bananes, non. Non. Ça par contre, ça va être plus chiant. Voilà. Fuck. Chaud, hein. Il est chaud celui-là. Il est chaud. Bon, on va faire encore quelques tentatives dans cet épisode dessus, bien évidemment. Surtout que ça va aller assez vite pour les faire, puisque la sauvegarde est juste avant. Après, ce à quoi je pense, c'est surtout le fait que pour l'instant, j'ai pas vu de pièces à proprement parler à récupérer. Donc ça veut dire que il va falloir le faire plusieurs fois. Bon, voilà, déjà si on fait ça, on n'est pas trop mal. Ça, je pense qu'il y a moyen. Ah non, je l'ai pas vu! Tant pis hein, pour le rhinocéros. On va essayer de le faire comme ça. À la main. Ok, donc ça on en parle plus. Là il va falloir se méfier. Voilà, il y a lui. Surtout se méfier de cet aspect. Aller-retour. Oula. Yes, non, pas réussi. Ça veut dire qu'il y a une pièce qui est ici. Oui, bah là, t'as pas l'impression d'abuser le jeu. Hein, légèrement. Légèrement. Bon, le truc, ça va être... rhinocéros si on a les deux singes, et si on en a qu'un seul, eh bien... eh ben, on essaiera de passer comme ça, mais... ouais. Le rhinocéros. Même si je suis moins à l'aise en fait avec le rhinocéros pour faire les sauts. Ouais, non, ça passe pas. Je vois pas comment je suis censé avoir celui-là en fait. Si je veux le rhinocéros. Bon, je peux un peu gruge en fait. C'est vrai que j'ai jamais essayé d'aller de ce côté. Il y a peut-être un truc intéressant. Alors, il y a une pièce sur la gauche, mais je pense pas qu'en rhinocéros ce soit possible de l'avoir. Je vous prends la tombée là, les mecs. Y a pas de souci. Là, ça va être le moment un peu compliqué. Hop. Voilà, barre-toi. Barre-toi. La pièce. Ok, j'en ai une. C'est pas mal. Ouais, là, ça facilite quand même les choses. Alors, on va pas se mentir. Hop. Ah, plus de rhinocéros. Bon. Tant pis. Waouh, mais c'est tendu. Eh, mais la première fois que t'arrives ici, tu peux pas savoir qu'il faut speeder autant, quoi. Mais non. C'est pas grave.
Il faut vraiment être prêt à chaque fois de... Le truc pour pouvoir foncer au maximum. Ouais, je pense pas que le rhinocéros passe là où il y a la pièce. Ça me paraît assez tendu. Bon. Je commence à comprendre le niveau. Pas entièrement dans ses subtilités, mais j'arrive à avancer. Par exemple, il y a toujours le mec avec ses deux sabres. Je ne sais toujours pas comment le gérer, en fait. La pièce! Ah non, j'ai pas eu la pièce. La pièce, elle est pas si gratuite que ça. Hein. Allez. Tac. Tac. Et là, il va falloir courir. C'est au centimètre, même pas au centimètre, c'est au millimètre près là à ce niveau. Oui. Je fais quoi? Ah, j'attends. Ok. Donc c'est pas fini. Oui, bah merci, j'espère bien qu'il meurt. Je fais quoi là? Je suis censé faire quoi ici? Concrètement, je veux dire, il y a 4 singes, il y a pas 4 singes, il y a 4 hérissons. Je veux dire, même en faisant le meilleur saut de ma vie, je passe pas au-dessus de 4 hérissons. Tiens, ouvre ça. Toi, je ne sais pas comment tu fonctionnes, tu me saoules. Ah si, il faut peut-être attendre que l'hérisson... Ouais, faut peut-être attendre que le truc tombe et... J'ai failli oublier d'avancer, moi. Je ne sais pas. Bon, tout ça ne résout pas mon problème des 4 hérissons là-haut. Ça reste toujours un problème. J'aimerais au moins atteindre le point de sauvegarde. Comme ça on fera deux niveaux et demi. C'est un bon épisode pour les niveaux, les derniers niveaux du jeu. Qui sont évidemment les niveaux les plus durs. Je crois que celui-ci, il n'y a pas à chipoter hein, sur sa difficulté. Elle est bien existante, elle est bien là, elle est bien réelle. Ah, si on pouvait conserver le rhinocéros jusqu'au bout, je dis pas, hein, mais... Mais là, c'est chaud. C'est plus que chaud, même. Oh là 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 là. C'est tendu. Je me demande s'il n'y a pas un rhinocéros à aller choper. Non, même pas. Non, sérieux, là, je vois pas. Alors là... Là, je suis... perplexe. Je suis perplexe de chez perplexe. Tiens, bouffe ça toi. Ah oui, je voulais tester la technique. Bon, c'est pas grave. Tiens. Non, là je... Ouais. J'avoue que je vois pas ce que le jeu attend de moi, là, sur ce passage.
vêtements. Parce que bon, il n'y a pas 15 000 solutions, finalement. Hein. On est sur une zone très limitée. Et il n'y a pas 15 000 choses à faire. Alors, je suis descendu en bas pour voir s'il n'y avait pas un rhinocéros, finalement, à récupérer. Et qui aurait pu être la solution. J'ai eu la pièce. Ça, ça passe tranquille. Téléphone qui sonne, ça attendra. Je sais pas qui c'est, je sais pas pourquoi. Oula, oula. J'ai oublié que c'était limite, 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 très très limite même. tac. Tac. Toi, tu veux pas mourir. On va tester. Ah non, bah ça... Aïe. Merde, j'ai oublié. Bah j'ai oublié. Oh, mais il est pas mort. Il est pas mort. Donc non, bah ça fonctionne pas. Le sol recule que si je vais sur la gauche. Le truc c'est que comment je vais sur la gauche à part mourir. Bah à part me faire toucher au moins une fois. C'est un mystère. Ce niveau est un mystère. Je suis toujours en train de réfléchir hein, sur l'autre. Comment passer le passage avec les... Avec les hérissons, quoi. Je vois strictement pas, c'est dingue. À la limite, là, le rhinocéros, je peux me dire, bon, t'as le mode un peu plus simple, si tu fais un sacrifice. Ça me semble être une technique correcte. Mais pour le reste, là, il faut pas que j'oublie. Il faut que je me colle, là, et je cours. Ah merde, j'ai sauté dessus. Mais merde, mais quel con. Mais quel con. Mais quel con, mais quel con, mais quel con. Donc là, je fais mon sacrifice. Globalement, je l'interprète comme ça. Et on récupère le rhinocéros qui permet de faciliter les choses. Puisque bon, avec les singes, c'est quand même plus compliqué de gérer les ennemis qui sont dans ce niveau. Puisque ce sont des ennemis non tuables. Peut-être que l'hérisson... Ah, peut-être que l'hérisson, en faisant la roulade... Où le coup de cheveux de Dixie fonctionne sur les hérissons et en fait ils sont pas touchables juste en leur sautant dessus parce qu'ils ont des pics, hein, des hérissons, tout ça, tout ça. Mais
C'est une supposition. Ça se trouve, je dis de la merde. En même temps, tu vois un hérisson dans un jeu, t'as pas vraiment envie de tester 15 000 choses, tu te dis, je me contenterai de l'esquiver, c'est pas mal. Et tu aurais tout à fait raison. Mais, bon, là vraiment je vois pas parce que le saut est vraiment trop tendu sur ce qui est demandé. Donc, on récupère de la vie à chaque fois. Hein. Et tout, les tentatives s'enchaînent, mais... Donc là, on essaie de pas faire le débile. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui. Pas faire le con. Pas faire le con. Bon, j'aurais pu le tester là. J'aurais pu le tester sur cet hérisson. Quitte à mourir et finir glorieusement cet épisode. Puisque là, le prochain game over qui arrive, qui est imminent même, ce sera la fin de l'épisode qui sera suffisamment long pour aujourd'hui. Puis on aura fait deux niveaux et quelques. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est un ratio assez productif pour les niveaux, pour les mondes les plus compliqués, les derniers mondes. C'est sûr que si c'était le premier monde, non, ce serait pas très très satisfaisant. Mais là, comme on est peut-être sur le dernier ou l'avant-dernier, j'imagine. Bah, quand t'as un truc qui s'appelle château de l'ennemi, de l'antagoniste, bon, généralement dans les jeux, c'est quand même que t'es à la fin. Je sais pas pourquoi je m'évertue à récupérer la pièce, mais pourquoi pas. Allez. Bon, une fois qu'il sera maîtrisé, le passage au niveau au niveau là, ça ira mieux. Voilà, déjà. Oh, mais non, mais... Bordel. Bon, c'est pas grave, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Comme d'habitude, on s'arrête sur un game over, mais c'est une bonne manière de marquer la fin d'un épisode. Et puis la prochaine fois, on essaiera d'avancer dans ce broyeur et d'avancer dans le monde. Est-ce qu'on fera deux épisodes comme le monde 5? Je pense pas. On est quand même sur les niveaux censés être les plus compliqués, je pense. Je pense pas. Je pense qu'il faut tabler sur 3 épisodes. Peut-être que le troisième sera plus court, puisque ce sera peut-être juste le boss et un niveau, ou juste le boss, on verra bien. En tout cas, j'espère que celui-ci vous a plu. On s'approche tout doucement de la fin, et sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée à tous, et je vous dis à la prochaine.